Notre mental est un don extraordinaire. Il se souvient de façon vivante de chaque expérience et de chaque information qui nous parvient. Eh bien, cela peut être transformé en une imagination phénoménale. Mais si vous perdez le contrôle de votre imagination, si vous perdez la capacité à discerner ce qui est imagination et ce qui est réalité, ce qui est futur, ce qui est présent et ce qui est passé, alors votre mental va devenir votre plus grand ennemi. La plupart des êtres humains ne souffrent pas de la vie, ils souffrent juste de leur mémoire et leur imagination. Ce qu'il s'est passé il y a 10 ans, ils en souffrent encore. Ce qui pourrait avoir lieu après-demain, ils en souffrent déjà. Il ne s'agit pas de la vie. Il s'agit d'un manque de contrôle sur les deux facultés les plus fantastiques qu'ont les êtres humains, une mémoire très vive et une imagination fantastique. Ne vous inquiétez pas de votre futur. Si vous gérez bien votre présent, le futur va naturellement s'épanouir. On ne peut travailler qu'avec ce qu'on a entre nos mains là maintenant. Vous ne pouvez pas travailler avec ce que vous avez en tête. Vous pouvez planifier ce que vous avez en tête, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez agir que dans l'instant présent. Vous ne pouvez gérer que ce qui est là tout de suite. Ceux d'entre vous qui sont trop plongés dans vos propres pensées et émotions, constamment sur les réseaux sociaux peut-être ou autres, je pense que vous devez vous débarrasser de votre téléphone et faire une balade en forêt. Si ce n'est pas possible tous les jours, au moins un ou deux jours par mois, vous pouvez vous perdre quelque part. Soyez simplement dans la nature, tout seul, marchez, asseyez-vous, observez. Si vous prêtez suffisamment attention, vous verrez, vous serez tellement charmé par chaque petite chose dans l'existence, parce que la façon dont une seule fourmi est faite et au-delà de tout ce que vous et votre intelligence pouvez comprendre. Ceux qui n'ont pas pelé leurs yeux à la création deviennent trop épris de leur propre création mentale, qui sont leurs pensées, dont la partie juteuse sont les émotions. Quand vos pensées et vos émotions deviennent plus importantes que la création du Créateur, ça veut dire que vous êtes devenu une tragédie en termes de perception. Vous n'avez pas du tout réalisé la nature de la vie. Nous savons beaucoup de choses, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais nous ne connaissons rien complètement. Donc, ceci est la nature de l'existence. Si vous y prêtez attention, naturellement, vos propres pensées et émotions vont se synchroniser à la toile de fond. Vous pouvez toujours les apprécier, mais vous savez à quel point elles sont insignifiantes. Donc c'est très important, si vous voulez faire l'expérience des dimensions multiformes de la vie, vous devez être non sérieux. Vous ne devenez sérieux que parce que vous avez pris votre propre existence trop au sérieux, bien que nous n'existions ici que pour un temps minuscule dans ce cosmos. C'est un vaste cosmos. Le système planétaire lui-même, le système solaire dans lequel nous existons, est une poussière. Dans celle-ci, la planète Terre est une micro-poussière. Dans cette micro-poussière, l'endroit où vous vivez, ou la ville où vous vivez, est une super micro-poussière. Là-dedans, vous êtes devenu un grand homme ou une grande femme. Et c'est la raison pour laquelle vous prenez la vie tellement au sérieux. C'est un bref laps de temps que vous avez en tant que vie. Dans ce laps de temps, si vous vous prenez trop au sérieux, vous êtes une grosse farce. Le secret de la vie est de tout voir d'un œil non sérieux, mais d'être absolument impliqué, comme un camarade de jeu. Donc soyez un camarade de jeu pour la vie. Si vous voulez être un camarade de jeu pour la vie, vous devez être capable de voir que votre existence a un impact sur l'époque dans laquelle on vit, mais pas un impact éternel, à moins que vous ne touchiez la dimension éternelle de ce que vous êtes vraiment. C'est une vie tellement brève que ce n'est qu'en faisant que ce qui vous tient vraiment à cœur que votre vie en vaudra la peine. Pour qu'une implication véritable apparaisse dans votre vie, pour que vous vous donniez totalement
Vous devez faire quelque chose qui compte vraiment, vraiment pour vous. Il est important que vous trouviez cela. Quand je dis qu'il est important que vous trouviez cela, vous n'avez pas à passer la moitié de votre vie à vous demander « c'est quoi ma passion ?» Non. Vous avez juste à creuser cette capacité à tout vous approprier. Quand tout est à vous, ce monde entier est à vous, ce cosmos est à vous. Donc quand ça fait partie de vous, si vous vous impliquez absolument et vous efforcez constamment de créer ce qui compte pour vous, ce qui vous tient vraiment à cœur, alors votre existence elle-même en vaudra la peine. Pas nécessairement vos actions, pas nécessairement ce que vous réussissez ou ne réussissez pas, mais votre existence elle-même en vaudra la peine, car le simple fait de respirer et d'être est un phénomène. Il n'y a pas de plus grand phénomène que la vie. Si cela n'en vaut pas la peine, alors quoi ?